Bonjour des amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier comment exprimer la prononciation de quelque chose en japonais. Alors, on y va? On commence. Tout d'abord, le vocabulaire. D'abord, je vais uniquement prononcer l'intonation deux fois, puis l'intonation avec les sons spécifiques pour chaque mot deux fois.L'intonation est souvent oubliée, mais il faut bien la maîtriser pour parler couramment japonais. Alors, 1. Eh bien, 2. Fromage. Nana. Nana. Cheese. Cheese. 4. Jus. Nana. Nana. Juice. Juice. Alors, écoutez bien la conversation. すみません。これは何ですか？あ、それは私のチーズです。チーズですか？あ、じゃあこれは誰のジュースですか？それは田中さんのジュースです。Encore une fois, mais cette fois plus lentement. すみません。これは何ですか？あ、それは私のチーズです。チーズですか？あ、じゃあこれは誰のジュースですか？それは田中さんのジュースです。Alors, étudions comment exprimer la possession de quelque chose en japonais. それは私のチーズです。C'est mon fromage. On a déjà appris dans une autre leçon que l'on pouvait combiner deux nombres avec une particule nom. Et le nombre de noyaux de la combinaison occupe la dernière position dans ce groupe. Donc,Nombre décoratif plus nom plus nombre de noyau. Et on peut l'utiliser pour parler de la possession de quelque chose. Puisque la possession de quelque chose est similaire à un nombre décoratif, l'ordre devient nombre de possession plus nom plus nombre de noyau. Comme チーズ devient 私のチーズ。Ensuite, これは誰のジュースですか？ De qui est-ce tu? Pour demander à qui appartient quelque chose, on utilise un nom interrogatif 誰. Et ce mot de la question prend la place du nom de possesseur et donc.私のジュース devient 誰のジュース。Et enfin, それは田中さんのジュースです。C'est le jus de 田中さん。Le problème de l'expression possessive en japonais est que l'on n'utilise pas beaucoup de pronoms.Contrairement au français. En français, nous utilisons des pronoms comme mon, ton, son, notre, votre, leur, etc. Mais en japonais, sauf lorsque l'on parle de notre propre possession, le nom de propriétaire ou son statut est souvent utilisé. Bien sûr,Cela dépend du contexte,
Mais il est préférable d'apprendre de cette manière pour éviter les problèmes. Et donc, pour ma propre protection, on dit par exemple « Watashi no juice ». Pour la protection de quelqu'un d'autre, on dit par exemple « Tanaka-san no juice » ou « Tomodachi no juice ». N'oubliez pas que « san » peut s'employer que ce soit pour un monsieur ou une dame, etc. Et « tomodachi » veut dire « un ami ou une amie ». Alors, écoutez à nouveau la conversation. すみません。これは何ですか？あ、それは私のチーズです。チーズですか？あ、じゃあ、これは誰のジュースですか？それは田中さんのジュースです。ça va？ Avez-vous bien compris maintenant？Voilà, la leçon est terminée. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et aussi, vous pouvez répondre à cette question. 皆さん、それは誰のジュースですか？ Dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. またね。